Bonjour, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. Tabarouette, j'aime ta chemise. Oui? Oui. Écoute, je suis dans le bleu aujourd'hui. C'est bleu? Ça irait bien que ta montre. Tu sais-tu quoi? Je pensais qu'elle était noire. Non, c'est du bleu gris, ça doit être l'éclairage ici. Ouais. Ça doit être l'éclairage ici. Ah, fait chaud encore. Oui. Sérieusement, là, avis au club, ben, les clubs de golf, ça va bien quand même. Ça va bien, ça va bien. Puis écoute, avec la semaine qu'on a cette semaine, du gros soleil à part lundi. Exactement, donc, exactement. Ouais. Hey, François, tantôt on va parler de football, on va parler de hockey également, mais il faut que je te parle d'un truc. Je rouvre une parenthèse. Ma fille a commencé en fin de semaine le MAG. Au hockey? Oui, méthode d'apprentissage de hockey sur glace. Ouais. Et là, dites-vous pas que je me transpose dans ma fille, là, ça n'a pas rapport, c'est elle qui a demandé à jouer. OK? Je tiens à mettre les points sur les i, François. Tu sais que j'ai souvent coaché d'élite. Oui. C'est pas pour. Mais. Et là, c'est incroyable. Des parents, là. Skate, skate, skate. Dans le mag. Puis des niveaux inférieurs qui vont voir les entraîneurs, les bénévoles qui font un job extraordinaire. On se le dit, là. Moi, je trouve que t'es pas un. T'es un entraîneur à ce niveau-là, mais t'es surtout un pédagogue. Oui, là, ben oui. On va se le dire. Un parent avant tout aussi. Aussi. Et écoute, mon gars a pris des cours de patin, je le verrais dans un niveau supérieur, là, les autres ne pourront pas l'aider, il n'est pas assez bon, lui. Pis... C'est à quel âge, Alex? 5, 6. OK. Parle-moi de ton découragement. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on va tous se ramasser à la même place, puis tu sais, le développement, c'est une chose, mais à cet âge-là, tu apprends tellement vite. Pierre Mars, que je salue, me dit Alex. Il dit, voilà deux ans dans le primaire, ou whatever, là. Il dit, les enfants embarqués, c'était à genoux, c'était pas capable de se tenir debout. Puis à la fin de l'année, on jouait des matchs. Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, là, prenez votre gaz égal. On va tous arriver à 18 ans dans le junior en même temps. On va tous savoir virer à gauche, là. Mais c'est pas parce que. Puis je parle pas de ma fille ici, là. En passant, je parle d'un niveau inférieur. Quand je suis arrivé à l'aréna, j'ai vu des images. Je me dis, ah, boy, boy. Mais, tu sais, prenez ça relax. Le père en toi et l'ancien entraîneur avaient mal. Oui. Non, mais c'est parce que j'étais assis, je prenais mon café. Là, on dit, tu devrais être impliqué. Non, je le sens aller. Je le sens aller. Pour le moment. Oui, c'est ça. C'est pour le moment. Voilà. François, ton bon ami Tim Bauzon. Oui. Quel camp des recrues, on va se le dire. Écoute, deux buts, Alexandre, dans le tournoi à la ronde pour Tim Bauzon. Pas pire pour un gars qui revient d'une méningite quand même. Hein? Là, on vient d'apprendre, invité au camp d'entraînement du Canadien également. Lui, ça va être... Ça va être Ligue américaine cette année. Là, quelques matchs hors concours, mais je pense que... Sylvain Lefebvre n'a pas voulu le confirmer, par contre. Mais... Non, non, mais ça va être quelques matchs quand même. Je pense que le Canadien, cette année, va laisser la place surtout à McCarron et Sherbach pour se tailler un poste. C'est sûr que si Tim Bauzon en met 6 dedans dans les matchs hors concours, il va être à considérer. Moi, Alex, je suis un de ceux qui voit un petit peu moins Charles Ludon. Les gens en parlent beaucoup, Charles Ludon. Il y a eu une bonne saison l'an passé dans la Ligue américaine. Bon camp d'entraînement quand même, camp des recrues. Ouais. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis content pour Tim. J'aime beaucoup le physique de Tim aussi. Oui, mais il a pris du poids, il a pris du coffre. Ah, c'est rendu un homme. Mais... costaud. Oui. En parlant de costaud, belle émission encore une fois cette semaine, François. D'abord, on parle de football. Oui, l'ancien des Alouettes, Samuel Fournier, Alexandre, qui vient nous annoncer toute une nouvelle. Je ne vous en dis pas plus. Non, on n'en parle pas. On va en apprendre durant l'entrevue. Mais entrevue émotive avec Samuel. On va se le dire, on va se le dire. Là. Et puis, en deuxième partie, écoute, avant, parce que je vais le dire aux gens, c'était la Ligue de hockey junior 3A du Québec. C'était le tiers 2 à l'époque, dans mon temps. Maintenant, c'est la Ligue de hockey junior du Québec. Et il y a une nouvelle équipe. Tu sais que Kanawake a déménagé à Chambly. Alors, oui, exactement. On a un joueur qui est venu nous voir, Jean-Philippe Goyer, un joueur de 20 ans. Des forts de Chambly. Des forts de Chambly. Et tu sais, quand... Puis vous allez nous entendre tout au long de la saison. Nous, le sport, les études, on trouve ça important. Un autre jeune homme qui a réussi à pratiquer son sport et aller à l'école en même temps. On s'arrête 5 secondes et au retour, un autre qui a fait son université à Laval, à Québec. Deux Coupes Vanier. Oui, pas si mal quand même. Ouais. Samuel Fournier. On aime toujours le recevoir en ce début de saison de Sport Express pour parler football. C'est notre ami Samuel Fournier. Salut Sam. Salut. Ça va bien? Super bien. Sam, on va parler football un peu. Parle-nous un petit peu de ta carrière de joueur de football. Ça a commencé avec les Géants de Saint-Jean. Ça s'est poursuivi avec le Rouge et Or. Absolument, tu as des bagues dans toutes les mains. Ligue canadienne longtemps. Comment ça a commencé le football pour toi? Ça a commencé ici à Saint-Jean. Ouais. Ça a commencé avec Boutier, Armarasco. Ça a commencé par un petit gars passionné. Qui a toujours cru qu'il pouvait jouer au football professionnel. Fait que c'est de là que je pars. Et après, il est allé avec les Géants. Les Géants, j'ai adoré mon expérience avec les Géants. J'étais allé là dans un seul but, c'était de
d'être un des meilleurs porteurs de ballon qu'il y avait au niveau collégial. Puis j'avais fait ma marque à l'époque. Ouais. T'as été détrôné l'année dernière? Oui, par un petit Sam Dupuis. Ouais. Donc ça, moi, j'ai choisi le cégep de Saint-Jean parce que c'était le cégep qui m'offrait l'opportunité de jouer puis de devenir un meilleur joueur. Ouais. Par la suite, on s'en va avec l'Université Laval, la machine du Roger Or d'Université Laval, où Sam Bang Fournier a fait la pluie et le beau temps dans les circuits universitaires. Parle-moi de ton expérience avec le Roger Or. Mon expérience avec le Roger Or, c'était formidable. J'ai choisi le Rouge et Or parce que je voulais jouer pro encore une fois. Je voulais gagner des Coupes Vanier, puis je voulais faire partie d'une équipe gagnante, une tradition d'excellence, puis de contribuer énormément à la victoire de l'équipe. Fait que j'ai pas été déçu à l'Université Laval. J'ai eu une belle carrière. Absolument, t'en as plusieurs bagues. Il y en a combien de Coupes Vanier? Je les ai pas mis aujourd'hui, c'était une journée spéciale. Ouais. Fait que, deux Coupes Vanier en 4 ans. J'ai eu la chance d'être repêché en 2010 par les Tiger Cats d'Hamilton. Fait que, de faire l'équipe d'étoiles aussi, là, universitaire avec le Rouge et Or. Donc, ouais. Super belle carrière à Québec. Parle-moi un petit peu de la Ligue canadienne de football. Tout joueur universitaire rêve de jouer dans la CFL. Tu as pu y jouer avec différentes équipes en plus. Exact. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Le parcours il a été super long et périlleux, mais ouais. j'ai eu une belle carrière. J'ai joué avec les Tiger Cats. J'ai été échangé avec les Eskimos en 2010. J'ai joué avec les Eskimos en 2011. Une blessure quasiment qui a terminé ma carrière. Par contre, j'ai fait la physio, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai rejoué avec les Tiger Cats en 2012. En 2013, je m'étais trouvé un autre emploi. Ouais. Puis le rêve s'est finalement réalisé de jouer avec les Alouettes en 2014. À force d'être au match avec ma fille, finalement, c'est ça qui m'a permis de rejouer professionnel. La flamme est revenue, puis j'ai dit il faut que j'aille au bout des choses. Donc, j'ai joué l'année passée, 2014, avec les Alouettes. Parle-moi de l'expérience de jouer avec le chandail des Alouettes pour un Québécois. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Bien, le rêve. Oui. C'était le rêve. Là, on en est rendu où présentement pour Sam Fournier dans le football? Là, je suis rendu à un point où il faut que je tourne la page. OK. On passe à une autre étape? Exact. Donc, tu es en train de nous annoncer que le football, c'est terminé pour toi? Terminé dans le côté professionnel, ouais, c'est sûr comme que joueur. Ouais, comme joueur, j'ai pas le choix de tourner la page parce que sinon c'est tout le temps quelque chose qui revient. C'est un, ouais. C'est un rêve inachevé tout le temps. Fait que... Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de dire bon ben là, Sam, on passe à autre chose? Les expériences que j'ai vécues en étant un Alouette. Ouais. Moi, dans le fond, cet hiver, j'ai eu la chance avec les Alouettes de m'impliquer beaucoup dans la société. On t'a vu partout, hein, ouais. Cet hiver? Bien, c'est exactement vers où que je m'en vais, vers le futur, puis c'est pour ça que je décide de prendre ma retraite. On va en parler un petit peu du futur tantôt, mais parle-moi de l'implication que tu as eue. Écoute, ouais. On avait eu des jeunes ici qui étaient venus te voir, qui te connaissaient, qui t'aimaient, les signatures d'autographes, les photos. Tu étais rendu un joueur populaire, impliqué dans la société. Qu'est-ce que tu as aimé de ce rôle-là? De partager la passion que j'avais pour le sport ou d'un rêve, tout simplement, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de réaliser leur rêve. Donc, j'essayais de donner le plus de mon vécu possible pour que les jeunes puissent s'accrocher à quelque chose comme je l'ai fait. Puis d'avoir les outils. Fait qu'avec l'école, avec le programme Ensemble à l'école, les Alouettes, j'ai été capable de rencontrer 3-4 000 étudiants. T'as fait le tour du Québec. Après ça, j'ai vraiment adoré l'expérience. Donc, j'ai rajouté des fondation Y des femmes. Je suis allé à Cuillon, à Ottawa, avec les Kent et Morton, avec la Fondation des sports adaptés, avec la Fondation Starlight. Donc, j'ai fait, je pense, 9 fondations cet hiver. Puis, chaque fondation ou chaque événement m'apportait comme un bonheur particulier en même temps de m'entraîner puis de penser à jouer au football. Là, ça comblait super bien. Je cherchais quoi faire finalement. Fait que, en faisant ça, beaucoup de bénévolat avec ces fondations-là, j'ai comme trouvé vraiment une nouvelle passion qui a commencé en même temps que le football s'éteignait. Tu sais, cet hiver, tu espérais toujours jouer au football. C'est une décision qui est réfléchie de ta part. Tu n'as pas eu de contrat cette année dans la Ligue canadienne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut malheureusement prononcer le mot « retraite » pour toi? C'est ça. En fait, moi, j'avais un contrat jusqu'à avant la saison de football. Un mois avant la saison de football, ils m'ont dit « reste en forme, puis on va peut-être te rappeler durant la saison ». C'est souvent ça qu'ils font avec des gars qui habitent à Montréal. Fait que j'ai gardé ça en tête. Puis, tu sais, pour pas perdre de focus, j'ai commencé à faire du bénévolat, m'impliquer auprès des jeunes. Puis, je me suis rendu compte que
je me trouvais à ma place avec ces jeunes-là qui en avaient besoin. Fait que tranquillement, pas vite, ça s'estompait le désir de vouloir jouer au football, d'être dans un stade, puis le désir de vouloir aider dans la communauté a commencé à... Ça a fait vraiment un changement. Donc là, tu es vraiment rendu, tu as une nouvelle étape, tu as un nouveau défi de carrière, tu peux m'en parler un peu? Exact. Ben, tu sais, en fait, je suis entraîneur des porteurs de ballon Cégep de Saint-Jean. Ouais. Ça, c'est la seule attache qui me reste au football. J'ai besoin d'une certaine transition pour sortir le football de ma vie. Puis j'ai eu, dans toutes les fondations que j'ai faites, c'est vraiment la fondation des sports adaptés avec Steve Charbonneau, un idole de jeunesse. Qui est un ancien joueur des Alouettes également. T'sais. Exact. T'sais, quand j'étais à Boutier, ici à côté, je le regardais jouer. Fait que pour moi, c'est spécial d'avoir fait partie des bénévoles cet été là, avec la fondation. Puis j'ai tellement « trippé », entre guillemets, avec la fondation des sports adaptés que je voulais pouvoir aider à faire grossir ça. À développer la fondation ici à Saint-Jean, parce que c'est une fondation qui était plus à Bromont. Okay. Puis quand Steve est venu ici à Saint-Jean, il dit « Sam, tu viens de Saint-Jean, aide-nous un peu, viens faire du bénévolat. » Puis j'ai dit « Je vais faire plus que ça. Moi, je veux que tu m'engages avec la fondation pour rendre ça beaucoup plus gros. » Fait que là, ça va être quoi tes défis dans ton nouvel emploi? Où tu vas amener la fondation? Le plus loin qu'on peut. En fait, cet été, c'était un essai qu'on faisait à Saint-Jean. On pensait mettre une cinquantaine de personnes à l'eau. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait faire du ski adapté, du ski nautique adapté à des personnes handicapées. On peut voir des photos défiler à l'écran également. Exact. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis près de 275 personnes dans l'eau. Fait qu'on a vraiment quintuplé nos attentes. Puis on était juste ici, dans le Haut-Richelieu. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de faire ça à l'échelle toute la rive sud de Montréal. Là, on veut que l'année prochaine, ça soit vraiment, vraiment, vraiment gros. Puis moi, je suis en charge de justement aller solliciter les entreprises de la région de nous aider. Moi, je veux aider le plus possible. Donc, c'est sûr que ça se fait pas tout seul. Là. Fait que il faut que... Ça va être... C'est mon nouveau passe-temps. Qui va t'aider à oublier tranquillement ta... que tu ne joues pas au football cette année. Exact. Parce que c'est toujours impliqué. Je reste encore un fan. La NFL vient de recommencer. je reste encore à l'affût du football, sauf que tranquillement, pas vite, là, je cherche des moyens de pouvoir aider la Fondation des sports adaptés plus que de trouver des moyens comment je pourrais aider les Alouettes à gagner un match. Sam, il nous reste 40 secondes. Qui dit Samuel Fournier dit grande carrière au football. J'imagine qu'il y a des gens peut-être que tu aimerais remercier à la caméra pour le coup de main que tu as eu droit durant ta carrière. Oui. Moi, j'aimerais remercier en fait toute la ville de Saint-Jean, toutes les entreprises qui m'ont financé, qui m'ont donné des commandites quand j'étais jeune, qui ont cru en mon rêve. Ma famille, ma mère, mon oncle, sœur. Ta petite fille, hein? Ma fille. Ta fille t'a suivi dans les stades. Hein? Mm. Tu lui avais déjà dit un jour, tu vas me voir que j'en ai des Alouettes, puis elle t'a vu l'an passé. Mm. Ça, c'est un accomplissement pour un père. Mm-hmm. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de se rendre athlète professionnel, Sam. Écoute, moi, en tant qu'ami, je te félicite. Tu as eu toute une carrière, tu as été un modèle pour les gens ici de la région Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu t'es fait un nom, un beau nom, tu as une belle réputation. Puis on apprécie que tu sois venu nous annoncer ça ici à Sport Express. Parce que le mot retraite dans le sport professionnel, c'est pas facile. Je comprends que tu as des émotions. Félicitations pour tout. Puis dis-toi que cette place-là, ici, tu es toujours le bienvenu. Merci, Sam. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Thank you.
Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express et on en a parlé un peu vers la fin de la saison l'an dernier, mais là, c'est arrivé. Il y a du bon calibre de hockey maintenant à Chambly, donc accessible pour tous dans le Haut-Richelieu et sur la rive sud de Montréal. C'est la Ligue de hockey junior du Québec. Et pour nous en parler, on a un vétéran, un joueur de 20 ans qui est avec nous, Jean-Philippe Goyer. Salut Jean-Philippe. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien, merci. Jean-Philippe, on va mettre les gens dans le bain tout de suite. Là, la Ligue de hockey junior du Québec, c'est anciennement le Junior 3, c'est ça? Exactement. Oui, ils ont changé de nom, dans le fond, l'année passée pour s'appeler Ligue de hockey junior du Québec. Parle-nous de toi un peu, parce que notre premier invité, Samuel Fournier, on l'a connu. Tu sais, il n'y avait pas à se présenter en tant que tel, mais toi, je veux savoir ton parcours d'hockeyeur et tout ça. Tu as commencé quand? Dans le fond, je commençais à 4 ans à Marieville. Comme tout le monde a commencé de bonne heure. Dans le MAG? Exactement, dans le MAG, à Marieville, je commençais à patiner là. J'ai fait mon cheminage, j'ai fait ma MTAM 2A ici à Saint-Jean pour les Patriotes. Les Patriotes. On s'est manqué parce que moi, je coachais avec Claude Labelle, exactement, juste avant. Ouais. Juste avant. Par la suite, j'ai essayé Midget Espoir au Collège Charlemagne. J'ai été coupé l'an dernier, ça n'a pas fait, ça n'a pas fait fortune là-dedans. J'ai été joué au 2B. Après ça, j'ai été joué 2A deux années. Je me suis, j'ai pas joué 3A, Midget 3A aussi au Révin. J'ai eu une grosse blessure au genou, je me suis déchiré le croisé antérieur. Ouch! Fait que là, j'ai pas joué de l'année, j'ai fait beaucoup de physio, j'ai recommencé à patiner quand même vite. Je me suis fait appeler par Granby pour aller à leur camp. Juste comme joueur invité, pas comme repêché. Puis ça a super bien été, je m'avais entraîné fort pendant l'été, j'ai fait l'équipe. Écoute, on a eu une grosse saison, on avait vraiment une bonne équipe, on a gagné la coupe à cette année-là. Après ça, j'ai été échangé à Kahnawake, puis là, ben, je me ramasse à Chambly. Avec le déménagement exactement, de l'équipe. Exactement. Je veux savoir comment, tu sais, au niveau des études et tout ça, est-ce que tu vas à l'école? Oui, je fais un DEP en électricité en ce moment. Parfait. Comment ça fonctionne, les échanges? Parce que des fois, tu te ramasses dans une ville, là, c'est pas pire. Tu es originaire de la région, fait que tu vas jouer à Chambly. Grand Bay, ça allait bien quand même, là, mais Kahnawake, ça se faisait pas de même. Non, c'est ça. Comment tu as appris ça d'être échangé? Comment tu trouves ça, de toute façon, le fonctionnement de pouvoir être échangé? Bien, en fait, à Grand Bay, c'était affilié avec l'école. OK. Fait que tu habitais en pension là-bas. Puis tu allais à l'école, tu avais un cours par jour, puis ça se faisait quand même bien. Mais du jour au lendemain, tu peux être échangé, donc tu sais, tu te ramasses, il faut que tu changes d'école du jour au lendemain. C'est quand même quelque chose qui est dur. Fait que de passer à Granby ici à Saint-Jean, après ça, tout le voyagement, parce que c'est des pratiques à tous les jours, ça, l'école, le voyagement, c'est quand même assez dur. Mais tu sais, ça pourrait être pire, je pourrais être échangé, exemple, à Princeville, à Sainte-Agathe, quelque chose qu'il faudrait que je change de famille, tu sais, aller dans une famille de pension, puis dans un cégep que j'ai aucunement. Que je connais pas. Bien, c'est ça. T'sais, en même temps, ça, c'est une autre affaire que je veux parler avec toi parce que la Ligue de hockey junior du Québec, c'est des jeunes joueurs qui veulent peut-être aspirer à la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'an prochain. Tu as des vétérans comme toi à 20 ans ou est-ce que c'est peut-être la Ligue nord-américaine de hockey qui pourrait arriver l'an prochain ou encore la Ligue senior des cantons de l'Est? Toi, tu viens de le dire, tu serais échangé à une place comme Princeville. Ça te donne quoi sérieusement d'aller jouer là? C'est... Là, je ne veux pas ouvrir de canne de verre et tu n'es pas obligé de répondre non plus, mais c'est le système des échanges. J'en parlerai à Marc-André, mais J'en parlerai à Marc-André, mais quoi qu'il en soit, tu réussis bien quand même. Puis des électriciens, on a besoin de continuer d'aller à l'école. Parle-moi un peu de l'adaptation, mais pas de l'adaptation, mais de cette nouveauté-là à Chambly. Parce que Marc-André, il se donne pas à peu près, là, Marc-André Houle. Ça a été quoi ta première impression lorsque tu es arrivé ici? Qu'ils prennent vraiment ça au sérieux, que c'est vraiment différent des autres équipes. Juste le fait d'arriver à l'aréna puis de voir tout le staff qu'on a, c'est vraiment comme différent. On sent, on sent un sentiment d'appartenance au fort, là, ça c'est sûr. Est-ce qu'au niveau du noyau de l'équipe, c'est resté la même chose? Y a-t-il eu des changements d'entraîneurs, des changements de joueurs? Tous les entraîneurs ont été changés. On a gardé notre gars d'équipement qui fait vraiment une grosse job. Il ressemble vraiment les gars. Sinon, les entraîneurs, vraiment des gars qui savent qu'est-ce qu'ils font, des gars de hockey, là, qui ont été loin. Éric Doucet, un gros joueur de hockey. On a Kevin, Pat, qui fait vraiment un gros job. Sinon, les gars, on a resté quand même un gros noyau. Mais on a vraiment des bonnes recrues cette année, d'autres gars qu'on était à chercher un peu ailleurs. Là, fait qu'on a vraiment une bonne équipe. Parle-moi de toi un peu. Tu as 20 ans, tu es un vétéran dans cette ligue-là. Tu portes une lettre sur ton chandail, tu es assistant au capitaine cette année également. Bon début de saison, mais les Phares, vous avez 2 victoires, 2 défaites. Mais personnellement, au niveau de la feuille de pointage, ça va bien pour toi cette année. Ça va bien. C'est quoi tes attentes pour la saison 2015-2016? Bien, c'est sûr, je pourrais parler de mes attentes personnelles, tout ça, mais je pense plus que
je veux aider l'équipe à gagner. OK, c'est non, ma dernière année. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Mais parle-moi de toi avant. On va parler des forts après. Là. Parle-moi de toi. Jean-Philippe, tu veux faire quoi cette année? Personne ne va t'en tenir rigueur. Si tu as envie de scorer 45 buts, tu as le droit. Là. C'est, non, c'est quoi ça, tes c'est attentes? Sûr. Mais mes attentes. Comment ça a été l'an passé? Tiens, on va faire un parallèle. J'ai eu une bonne année. Ça a commencé un peu tranquillement. Après Noël, c'est là que ça a explosé. J'avais, écoute, ça a bien été. J'avais quasiment un ou deux points à tous mes games. OK. Puis là, écoute, cette année, ça commence. J'ai de la confiance. Je joue avec des joueurs que je m'entends super bien. Gagnon, Boulay, ça va super ouais. bien. Je peux leur donner des crédits aussi sur ça. Là. Mais écoute, c'est sûr que plus de points, ça va faire gagner l'équipe. Puis moi, c'est ça que je veux. Là. Je veux aller plus loin possible. Ma dernière année, 20 ans, je veux gagner une deuxième coupe. Là. Je l'ai gagné à 18 ans. Exact. J'aimerais bien se faire ça à 20 ans encore. Là. Parfait. Là, ça, c'est fait. Ouais. Tu as voulu faire ton carry price au début, donner le crédit à ta défensive après 46 arrêts. Là, c'est bon, pareil. Mais maintenant, parle-moi de l'équipe un petit peu. Ouais. C'est quoi vos aspirations? J'ai dit tantôt, 2 victoires, 2 défaites, ouais. un déménagement. Donc, on peut se baser quand même sur la saison derrière. Ce n'est pas une équipe d'expansion. Comment on voit ça dans la chambre? Qu'est-ce que les entraîneurs attendent de vous maintenant? On a tous des gars qui se ressemblent vraiment autant. On est tous des gars qui aiment travailler sur la glace. On s'entend super bien déjà là. L'esprit d'équipe est vraiment serré. Ouais. Fait que juste ça, l'esprit d'équipe, je pense, c'est la principale atout pour gagner, pour aller le plus loin possible. Déjà là, ça commence bien. Puis on a des jeunes joueurs qui sont vraiment talentueux. On a des vétérans qui ont de l'expérience aussi. Fait que je pense qu'on peut aller loin. C'est quoi, on en parlait tantôt, mais j'ai glissé là-dessus. Ouais. C'est quoi un peu, parce que tu as des jeunes de 17 ans, par exemple, qui, ouais. je l'ai dit tantôt, veulent peut-être parvenir à la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'an prochain. Ouais. Toi, tu as 20 ans, ou les vétérans, vous êtes là, essaye de pas trop en faire, mais c'est quand même, le gars veut avancer. C'est quoi le feeling un peu dans la chambre? Bien, le rôle d'une recrue, c'est quand même assez dur, parce que tu commences à 17 ans, même il y en a qui sont 16 ans, 18 ouais. ans. Tu n'as pas l'expérience, veux pas, d'un 20 ans. Donc, moins de temps de glace, tout ça, tu veux te prouver, mais c'est ça qui est dur. Parce que lui, il veut s'en aller l'année prochaine, c'est ça, parce que toi… Ça. Il veut montrer ses preuves, ouais. mais il a moins de temps de glace, il fait une erreur, il va rester, tu sais, c'est un couteau… C'est un couteau à deux tranchants, oui. Exactement, ouais. Mais vous êtes là quand même pour les épauler. Ben oui, c'est ça, notre rôle ici, c'est des introduire, tu sais, de leur dire de ne pas lâcher et puis d'être là avec eux. Exact. Comme exactement le Gagnon, notre centre, oui. là, il y a 17 ans, 18 ans. Puis écoute, moi puis Boulay, on a 20 ans, puis on joue un bon rôle pour lui, je pense. Est-ce que tu as peur de le perdre en saison? Est-ce qu'il appartient à une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Je pense pas. OK. Mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, c'est ça, exactement. À n'importe quel temps, il peut venir chercher des joueurs dans vos équipes. Quand tu es arrivé au camp d'entraînement au mois d'août, tu as 20 ans. Ouais. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit que c'était ta dernière saison? Puis qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as eu un pincement au cœur? Tantôt, on a entendu une entrevue un peu émotive avec Samuel Fournier en fin de parcours, mais. Toi, tu es rendu à 20 ans. Est-ce que tu as des options pour l'an prochain? Bien, c'est sûr qu'il y a d'autres options. Il y a d'autres ligues seniors que je peux aller jouer. Mais en même temps, je finis mon DEP bientôt en électricité. Tu sais, c'est une autre vie qui commence par après, avoir ma vraie job pour la vie. Ouais. Puis à 20 ans, des fois, à 21 ans, c'est là que tu choisis un peu peut-être d'arrêter. Là. Mais comme je te dis, on focus c'est sur pas cette ça année, que je pense puis... en ce moment. Exactement, non, c'est ça, on là, focus sur cette année. Puis on... Je pense à gagner, puis c'est ça que je pense en ce moment. Les forts, les matchs à domicile, c'est le dimanche. Qu'est-ce que tu auras à dire aux gens? Quel genre de calibre de hockey on va retrouver dans la Ligue de hockey junior du Québec? L'aréna va être pleine, ça c'est sûr. Ça va être du bon calibre. Donc, on demande à tout le monde de venir en grand nombre. Puis ça va être un bon spectacle assuré, ça c'est sûr. En tout cas, les gens de la population ont embarqué lors du match d'ouverture. Ouais. On a vu des images durant l'entrevue. Moi, où je travaille, Chambly-Mazda, je vais le plugger. Là, je ne le plug jamais, ouais. mais on commandite la mascotte. Alors, exactement. Fait qu'on s'implique. T'es fort. Ouais, t'es fort. On est des gars de hockey. Dans l'équipe, fait qu'on essaie de s'impliquer le plus possible. Mais en tout cas, c'est bien commencé, vous êtes visible, bien, vous ouais. vous déplacez, je trouve ça bien. Des beaux jeunes hommes dans la début vingtaine qui étudient, ouais. qui jouent du bon calibre de hockey. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup. La meilleure des chances cette année. Merci. Pour plaisir de te voir. Tiens, je te mets pas de pression, mais qu'est-ce que tu en penses, Trep, vers à peu près la fin de l'année avec la Coupe, qui sait peut-être. Mais, oui, ça serait le fun, hein? Ça serait le fun, hein? Ouais, bien fini. C'est un bon objectif. Ouais, tu commences à 18, tu termines à 20 avec exactement, la Coupe. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, avant de parler de NASCAR, le fils d'un de tes amis, Jérémy Roy du Phoenix de Sherbrooke, une belle signature de contrat. Bravo, contrat 3 ans, ouais. ce contrat d'entrée dans la Ligue nationale, il s'est fait repêcher 31e au total, ouais. le premier de la deuxième ronde, ouais. François, par les Sharks de San Jose. C'est fait, Martin est là avec sa conjointe Geneviève également, parce qu'eux autres aussi avaient un petit tournoi des recrues. Super. Grosse année pour Jay, hein, parce que ça va être quand l'entraînement des Sharks, ouais. tu sais, je pense pas qu'il fasse l'équipe, on se comprend là-dessus, là, c'est pas une grosse nouvelle.
équipe Canada Junior. Oui. Le Phoenix devrait aller loin également. Alors, la meilleure des chances, Jérémy, oui. c'est pleinement mérité. Ah, oui. François, les Huskies ont gagné, bravo. Oui. Fiche parfaite depuis le début de la saison, mais parle-moi des Géants, c'est ridicule. Puis tu as entendu un petit scoop aussi. Oui, mais on va commencer. Alex Surprenant avait dit « Ah, Sherbrooke, ça va être notre plus gros défi de ouais, la saison, Alex. » Tout un test, tout un Combien test. Ça finit déjà? 71 à 16. J'ai plus d'autre chose à dire. Mais oui, rajoute, parce qu'ils sont dans le 2-1. Écoute, on a entendu par Samuel ouais, Fournier tantôt qu'il y avait des grosses chances que le collégial 3A, Division 1, je pense que la demande a été faite. Ouais. Parce que là, ils sont dominants. Là. Dominants, puis il y a des joueurs qui, au lieu d'aller à Édouard-Montpetit dans le 3A, vont au Géant dans le 2A. Ouais. D'ailleurs, j'ai parlé à un de mes chums, Nicolas Mesba, en fin de semaine, qui est dans l'équipe d'entraîneurs des Lynx du collège Édouard-Montpetit. Il va venir nous parler. C'est bon, ça. C'est bon. François, il faut en parler absolument parce que c'était samedi dernier la 26e et dernière épreuve de la série Sprint, c'est ça? Déjà? Parfait. Ben oui, c'est fini, mais c'est loin d'être fini quand même. La chase. Alors, c'était le Federated Auto Parts 400 à Richmond International Raceway. C'était à Richmond, en Virginie. Hein? Alors, c'est Matt Kenseth qui a dominé, qui a remporté sa quatrième victoire de la saison. Carl Busch a terminé deuxième. Joey Logano a terminé troisième. Et là, attention, les pilotes qualifiés pour la chase. Il y en a. Je pars, OK? Il y en a 16. Les 11 premiers, c'est parce qu'ils ont au moins remporté une victoire. Et les cinq derniers, c'est au point. Johnson, Busch, Kenseth, Logano, Earnhardt, Harvick, Busch, Edwards, Keselowski, Truex Jr., bien connu dans sa famille, Hamlin, McMurray, Gordon, Newman, Maynard et Boyer. Et attention, François, la prochaine course, ouais. dimanche, le 20 septembre, à 15h, c'est le MYA, Fibrisk.com 400, en direct de Joliette, près de Chicago. Mes Dolphins ont gagné. Oui, félicitations, Alex. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. À la semaine prochaine. Bye-bye.